Yo, du coup, les gens, on est parti dans une petite game. Donc là, on est D1. La DreamHack, c'est pour bientôt, c'est à la fin de la semaine là. Enfin, non, là, on est dimanche, donc c'est la semaine prochaine. Et du coup, j'ai pour objectif de remonter un peu Master. Bon, sachant que si je retombe D2, je pense que ce sera un échec. Mais j'ai un peu pour objectif de monter Master. Donc, du coup, on va essayer de tryhard. Donc là, je suis en duo avec Melon. Oui, il a pris Yasuo. Je sais pas si il va 1v9 avec Yasuo. Le problème de Yasuo, c'est soit il a 1v9, soit il se fait camper et il va être à 0-20. Et contre Evelynn, Anivia, il y a pas mal de chances qu'il se fasse violer. Mais bon. Je voudrais bien après un peu la cheese la Eve, mais. Franchement, Narcus, avant tu étais vraiment indépendant, tu parlais ouvertement sur tout le monde. Mais depuis que tu es chez Solary, tu suces trop Sakor. Je suce trop Sakor? Ah ouais? Dans quel sens? Je crois pas que je suce trop Sakor, hein, genre. Moi, sucer quelqu'un, c'est assez rare, quoi. Mais bon. Ah merde, du coup je suis un peu déçu. Il va commencer au bleu. Par contre j'ai commencé au E donc du coup I can. Yeah. I can. Bah, du coup, c'est un échec. Ok, du coup, il a commencé à m'en raid, donc c'est worse. Bon, c'est pas mal. En vrai, je peux peut-être gank level 3 au bot. La ward, elle s'est mise à quoi? 1,50? Il y a peut-être moyen de faire un truc là. C'est normal, je passe level 3. Il n'y a plus de ward. En théorie, c'est assez free quoi. Ah, t'engages beaucoup trop tôt, frère. Et la ward s'est barrée. Normalement, elle est morte, elle aussi. C'est propre. Nice. C'est dommage, le Alistar, il a engage un peu trop tôt. Bon, après, au final, ça fait le taf. Okay. Oh. Oh. Oh, pourquoi ils ont int? You know, mais. Pourquoi le Alistar il a pas combo? You know combo? Mais. Attends, mais le Alistar il a pas combo, genre. Mais. Et comment ça t'as pas de mana? Derrière t'as combo l'autre? Mais. Il ment! Mais il ment! Mais c'est un mensonge! Mais attends, mais c'est un mensonge là, non? Non mais le gars, comment il peut dire j'ai pas de mana alors que 2 secondes après il a fait un full combo et il lui restait encore de la mana? Pour moi c'est un mensonge, hein, genre... Bon, c'est pas grave, mais c'est vrai que ça fait chier quand même. Il a W, la MF sur toi. Non mais on parlait bien après... Bon, du coup, il me faudrait mon level 6. Bon, ça fait un peu chier parce que je pense qu'il y avait moyen de la solo kill. Enfin, de la kill facile, quoi, mais.
Bon, le Singed qui proxy, ça va encore, pas trop grave. C'est vrai que là, du coup, on donne 2 kills, c'est un peu con parce que Evelyn elle récupère un kill en early assez gratos. Et vu qu'on a un peu une compo. Bon, ça va, normalement, la Evelyn elle peut pas faire grand chose. Ça va encore, ça va, notre compo en vrai contre Evelyn, c'est pas facile à jouer Evelyn contre notre compo, mais bon. On va pas se mentir, je suis un peu désolé. Je suis un peu désolé. Bon, je suis un peu désolé aussi, mais. Un peu déçu. Bon, il me faut mon level 6. Non, je vais quand même abuser de la. Oh, what? Oh, les dégâts qu'il s'est pris. C'est assez insane. On va acheter de la paix. Non, je vais prendre mon level 5. Je vais aller sur la pink. On my way. Botlane ça m'a l'air frié, bon au mid il a une clean et c'est Anivia donc c'est assez compliqué à kill pour moi. Le problème c'est que si je flash ulti etc, à part si Melon il arrive à mettre sa tornade juste après, bah le gars il a juste à faire à clean et à mettre un mur ou un stun. Et en soi un peu chiant Morgana, Anivia contre Fiddle. Donc du coup je pense que je vais vraiment abuser de la botlane en espérant qu'ils sont pas mauvais. Et normalement ça devrait être jouable. Allez, mets un combo. Nice. Il est mort. Pas mal ça, le Alistar qui est. Ah, bien joué. Ils ont bien joué le Jhin, il a. Ok. Ce que je vais faire, c'est que. Je vais prendre la ping. Je pense que je vais prendre l'XP de la vague bot. Et je pense que s'il y a les golems, je peux. Ah, il y a les golems là. En fait, si je prends un peu d'XP, je peux passer le L6 et je peux gank facilement, mais. Oula. Bon, un XP. Ah, fuck. Merde, Yanivia. Je suis pas sûr d'être vu. On peut trap, on peut trap. On peut. On peut. Je pense que là, la Soraka, elle a pas ward. Ok, nice. On va prendre la tour. Ah, y'a Eve, hein. Eve bot. Oh, si Eve elle vient, on kill. Ok, nickel. Non, non, back. Oh. Back, juste back. Juste back. On a tellement de gold là, c'est pas besoin de. De bon. Bon, 8 minutes, notre carry AD à 3-1-2, on a pris la première tour, c'est bien. Je pense qu'on a une bonne compo en plus qui scale, donc on n'a pas besoin de forcer des moves, tu vois. Un peu comme tout à l'heure, tu vois. Tout à l'heure, j'avoue, j'ai un peu forcé le move. Et j'ai un peu été un connard. Hein. Yep. Bon, du coup, j'ai mon item jungle. Je vais faire ce camp. Je voudrais bien avoir mes bots, je pense que je vais prendre des bots de CDR là histoire d'enchaîner les ganks. En vrai de vrai. J'avoue je pense que Melon c'est mieux qu'il aille bot. Je pourrais avoir mes bots. Je sais pas si je prends CDR ou pénétration magique. Après je suis le seul AP donc si je prends la pénétration magique c'est peut-être un peu mieux. 30 secondes moyen. Je sais pas. Ah, vas-y, je vais prendre les CDR. En fait, CDR c'est bien parce que tu peux spam les ultis, t'as plus souvent ton ulti, ton fear. Donc en teamfight, tu peux mettre 2 ou 3 fears dans un teamfight, donc c'est worse. Mais d'un côté, la pénétration magique, vu que là, on a une compo full AD, ils vont quasiment pas acheter de résistance magique. Et d'avoir des bots qui enlèvent 10 de magic resist quand les gars ils ont pas de trucs,
Tu peux augmenter de genre de 10% tes dégâts quoi. Donc on va pas se mentir, c'est pas mauvais quoi. Bon du coup je vais jouer autour du Yasuo parce que Soraka MF, enfin, c'est un peu free pour moi. Pense qu'il est mort aussi. Hop, je silence. Et Fear. Je vais laisser le kill à Yasuo. Ok, parfait. Bah, c'est vrai que quand tu joues Fiddlesticks et que tu joues contre des botlanes genre Soraka, MF, et que t'as un peu du répondant parce que des fois, genre, tu sais, tu joues contre Soraka, MF, mais dans ta team, t'as Janna. Je sais pas, des picks un peu de merde comme ça. Mais quand t'as un Alistar, genre, c'est vraiment free quoi. Donc, bon. C'est assez free. Pense qu'on peut trap. Trap, 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 trap. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va passer. Ouais, bah, parlons du loup. Ok, pas de R. Oh non. 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 Dommage. Ok. Oh. J'ai balancé mon corbeau juste avant. Ouais bon, ok. Peut-être qu'on a un peu overstay. Ah ouais, on va donner 3 kills. My bad. Ah, on a un peu overstay là, encore une fois. Ça fait 3 fois où l'overstay est bien présent. Nice. Il est foulé. Nice, bien joué. Bon. Ça, au final, c'est 2 pour 1. Sachant que notre gangplank il est free farm. Hein. Gangplank 115 CS. Mais surtout qu'on va prendre la tour. En vrai, c'est vrai que là on overstay un peu beaucoup quand même. Hein. Et le problème, c'est qu'il a une cleanse. Pas s'il a encore sa cleanse. On sait ward aussi. On va bien jouer ça. Bien joué, c'est propre. Il a parfaitement attendu. Ok, bon, on a la tour top. Bon, là, je vais rush une Banshee. En fait, Fiddlesticks, Zhonya, maintenant c'est de la merde sur Fiddle. En fait, le problème, c'est que si tu pars sur Zhonya, t'es pas assez tanky et c'est un peu naze. Donc, je fais quasiment jamais Zhonya maintenant. Là, tu vois, il y a une compo avec triple AP plus Soraka, bon, qui peut mettre des silences. En gros, si j'ai pas de Banshees, bah, je peux pas vraiment tanker. Donc là, du coup, je vais rush Banshees et après, je vais faire full pénétration, dégâts et tout. C'est un peu le mieux. Allez, on va back. Ok, bien joué. Normalement, il est là. Je pense que j'ai pas besoin d'être là. Ouais. J'aurais dû prendre mon. Ah non! Alors, en fait, c'est pas sûr qu'il l'ait. Ok. Ok. Mort, non, ça va. Ah, j'aurais bien ulti, mais. Gangplank il se touche la bite, on est d'accord. Hein. Le Gangplank pour l'instant il est à 0-0-2, c'est 2 assists qu'il a mis. Hein. Bon, ça, Melon, il. Bon, après la MF elle est au fond du trou. Hein. Enfin, c'est un peu à la camp, mais. Et j'avoue, le Gangplank il se touche un peu la bite. Hein. Je pense que je vais jouer un peu autour de Melon, là c'est sûr que la MF elle va revenir, après c'est peut-être pas worth de claquer un ulti. Mais bon, je l'ai pas encore chargé à fond. Pense que surtout il risque d'y avoir quelqu'un d'autre qui va. Ouais, Yanivia, c'est parfait.
nice. Oh, ça va mettre la pression avec melon à 2. Okay. Bon, normalement on a la tour, eux ils vont pas chemise, on met la pression au top, c'est cool. Oula, ah, je suis mort je pense. Ah ouais. À moins que. Ah là, plus de burst. Ah, il faut que tu m'aides, melon. Je vais mourir. Non, 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 non. Laisse-moi, 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 laisse-moi. Laisse-moi, régène. Ok. Ah, ouais, mais il y a Nivea derrière. Ouais. Bon. Ah, c'est pour ça que je voulais une Banshees. Hein. À moins que. Oh. Ok, ça va. Ah, Abdoula. Bon, derrière ils prennent quoi, une T2? On a pris deux T2 pour une mort, ça va, mais... Ah, c'est pour ça que je veux une Banshees. Pour éviter ça. Bon, j'ai fait ça parce que j'ai pas de pénétration magique. Et ça, en fait, c'est ultra fort parce que là, j'ai plus 15 de pénétration magique. En gros, je vous explique un peu. Là, ils doivent avoir 59 de... Enfin, moi, j'en ai 59 parce que j'en ai acheté. Mais en gros, c'est un peu comme l'armure. Là, en gros, mes dégâts font... Ils réduisent 36% de mes dégâts juste parce qu'ils ont un peu d'armure ou un peu d'RM. Voilà, avec la RM de base. Sauf que quand tu prends un truc comme 15% de pénétration d'armure, bah au lieu qu'ils aient 36 d'armure, enfin au lieu qu'ils aient 57 d'armure, bon c'est pour la RM, hein, bah ça tombe à 40. Et vu que c'est exponentiel, bah ça fait que ça augmente de peut-être 15% mes dégâts, quoi. Donc faire ça en early, c'est ultra broken. Go fight, go fight, go fight, Yasuo. Ah merde, j'aurais du corbeau avant. Enfin, normalement, il est mort, mais. Oula, peut-être mourir moi aussi. Non, sérieusement? Le gangplank, il est naze. Hein. Oh le gangplank, my god. Mais non, il y avait un bleu. Nice. Bon là c'est du farm de bébé phoque, hein. Nice. Corbeau. Ok. Normalement on a notre Banshees, la 1600, ouais c'est parfait. Il y a le Drake, ouais, on s'en bat les couilles. Du coup là on fait Banshees parce qu'ils ont 4 AP, on fait ça pour les dégâts. Et là maintenant je vais partir sur bâton du vide tout de suite. Même si bâton du vide là ils ont pas d'RM donc c'est pas ouf. Je pense que je vais partir sur un Ramadon là en vrai dans la game. Parce qu'en fait un Zonia ça me servira à rien à part pour dodge à la limite l'ulti de Eve, mais bon c'est un peu de la merde. Alors que si j'ai Ramadon je peux faire du 1v9. Du coup là on va partir sur un Ramadon. Et je pense que c'est le mieux. Ouais, donc j'ai clairement arrêté de faire, faire Zonia sur Fiddle. Je trouve qu'en solo queue c'est pas assez fort. Enfin après ça dépend, hein. Genre si vous jouez contre un Z et contre une team full AD, clairement faut le faire, mais... Mais clairement sinon c'est de la merde. La Nivea elle va push. Elle a quoi la Nivea? Elle a des bottes de Mercure. On attend le fait check ou elle va push encore une vague? Ah, ouais. Hop. Ok, nice. Alors moi j'ai de l'ARM hein, donc pas trop me tuer. Et elle a eu peur. Ah, l'auto-attaque hein. Pas mal ancienne hein. Ah, il y a les stars, il y a Jin, mais. Petit corbeau. Ah, ça touche.
du coup je vais peut-être mourir. Enfin j'ai encore mon flash mais... L'auto-attaque. Ah. Putain, fuck. Ouais, bon dommage. Un peu bizarre là la game comme elle se passe. Bon après j'ai donné un kill à la MF, au final ça reset ses golds mais... Le problème c'est qu'on n'arrive pas à gagner la game là. En vrai on prend beaucoup de kills mais... Mais bon c'est pas gagné quoi. Oh, le gangplank il a l'air naze. Hein. Oh my god. T'imagines que dans sa tête il a 208 de QI. Ah, le problème c'est qu'il faut gagner la game et là ça se transforme en... En fait la Eve elle est trop bien dans cette game hein, parce qu'elle joue que contre des squishy et les squishy font n'importe quoi à l'image de ce gangplank. Et je pense que là le gangplank il va mourir. Je vais l'aider mais oh là là le gangplank est naze. Oh là là la nullité. Je pense qu'on va la perdre cette game parce que le gangplank est trop naze. Dommage. Il va falloir que je back. Dommage, mon ulti n'est pas passé. En fait, le problème, c'est que le gangplank, il est naze. Bon, après, c'est un gangplank. À tout moment, il peut avoir appris à jouer et carry. Et on a une, on n'a pas les meilleurs picks, quoi. Ah, genre, je suis mort. Peut-être pas. Ah mais je suis débile de rester au mid, putain je la fire pas. Ouais je fais de la merde là aussi, ça me style. En fait ça me style de voir une free win et et du coup je fais n'importe quoi moi aussi. Là clairement je dois pas mourir là dessus. Qu'est-ce qu'ils font? Attends mais ils ont la MF de gratos et ils chase une Soraka à 0-6. Mais pourquoi? MF je vais redonner un kill, elle revaut des goals là. Vous chassez une Soraka à 0-6. Ça n'a pas de sens cette game. Je pense que honnêtement on va la perdre en vrai. En fait, j'ai l'impression de jouer avec l'équipe Lunari, tu vois, où ils font n'importe quoi et... Là, on a une free win parce que je carry leur lit et derrière ils font n'importe quoi. Je pense qu'il faut qu'on mette la pression en H. Ils font les objectifs, ils font tout et nous on a 20k gold d'avance et on fait rien quoi. Merde, il y a une ward là. Esther il a une pink ou pas? C'est que mettre une pink là. Il va nous faire gagner quoi. Gonash. Hein. Mais pourquoi on trappe là? Jamais ils vont passer par là en fait. Avoir un kill sur lui. Gonash. Bon, j'ai remonté Trinket. Le problème, c'est qu'ils peuvent le style hein, facilement. Ils ont un bon bombo combo. Go, push. Hein. Le gangplank, il est vraiment en train de prendre le raid et. Quel corbeau. Oh ça va. C'est moi qui meurs encore. Là là aidez-le. Oh le gangplank il a un niveau bancal hein. Bon, c'est vrai que là le Zonia ça m'aurait quand même sauvé la vie mais bon. Go back, juste. Okay, nice.
Oh, ça va. Ça va. Gangplank est nul. Ouais, non, mais il est naze, hein, genre. Il va même pas prendre la tour. Ah, si, il est mignon. Bon, ça va. Il la chatte. Bon, nice. Bon, c'est vrai que là, j'aurais pu partir sur un Zonia en vrai. Le MF, elle commence à faire des dégâts. Hein. Killed sur AK, when she backed. Oh bah t'es trop fort hein mec. J'avoue le... Ah non. Mais là je pense que j'aurais dû prendre mes bottes. Mes bottes de mercure. Des bottes de... Pas de mercure de... Ouais vous avez compris. Là c'est du int ça Melon. Ça c'est du vrai int hein, que tu nous proposes Meloun. Bon j'ai mon flash. C'est vrai qu'en fait j'aurais peut-être dû finir ça aussi. Disons, je suis sûr qu'on a, y a personne qui a acheté un anti-heal, non? On joue contre Soraka. Contre Soraka, c'est vrai que c'est pas mal comme item, il paraît. Après, je suis pas un expert de League of Legends, mais. Donc, c'est que c'est cool. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va dépêcher le mid, je vais le tuer. Soraka, ça marche aussi. C'est le klaxon ulti. Voilà. Attends, mais what? Ah, peut-être j'aurais dû faire un Zonia maintenant. Plus je me pense, plus je me dis que le Zonia ça aurait été une bonne chose. Que okay, nice. J'ai mis, hein. Ok, nice. Allez, ouais, la derp. Ah, go sur. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait le Gangplank? Sa mère, le Gangplank, il est naze et il a fait un move de ouf. J'ai jamais vu ça. Bon, allez, c'est... Oh! Allez. Oh, dommage. Dommage. En vrai, le Gangplank, il a été naze pendant toute la game. Et à la fin, il s'est dit, tiens, il y a un moment où je vais quand même montrer que je suis diamant, quoi. Oh, putain. J'ai jamais vu ça. Bon allez, bien joué cette petite game. Nice, level 99, je sais pas s'il y a un truc spécial au level 100. Mais c'est vrai que là avec le bonus 50 XP par jour, quand même pas mal. Hein. Bon par contre, plus 16 en diamant, c'est pas fou, hein, mais bon. Alors on a quoi comme champion? Rammus, Blitzcrank. Ça va. Ça va. Bon allez. Je vous mets une petite pub parce qu'il faut générer de l'argent. Ce qu'on fait, c'est que pendant la petite pub, les gens, bon je vais pas mettre d'écran mais je vais juste arrêter de parler. Vous allez tous sur ma chaîne YouTube. En fait, on a une strat, j'ai une strat de génie. Le problème, c'est que jamais personne va faire ça. Mais j'ai une strat, les gens. Ce qu'on fait, c'est que pendant la pub, vous lancez... le lien, vous réfléchissez pas, il faut surtout pas réfléchir. Hop, je vous ai mis un lien dans le chat. Vous allez voir, c'est ma dernière vidéo. Ce qu'il faut, c'est lancer la vidéo. Comme ça, ça fait des vues, etc. En plus, vous abonnez. Et en plus, vous mettez un commentaire en mode c'est trop bien. Et comme ça, c'est parfait. Donc du coup, on se retrouve juste après la pub, les gens. À toutes.
Ok, ça c'est bon.